Hey, salut à toi, oublie pas de t'abonner, c'est pas déjà fait poto si tu aimes ce genre de vidéo. Et puis moi je te dis, c'est parti, on se retrouve avec une nouvelle vidéo glitch. Assez compliqué, mais c'est assez facile quand même à faire. Allez, go, partez. Hey, salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de Zeiko. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online en 1.45. C'est le genre de vidéo de glitch vous permettra de gagner quand même pas mal d'argent, mais surtout de dupliquer les véhicules. Dans un premier temps, il va falloir tout simplement acheter des pistes dans un magasin. Il va falloir se rendre tout simplement aussi dans son garage et allumer la radio. Et il va falloir mettre son type de partie en privé. Donc pause, option, et vous allez mettre type de salon privé, gardez-le même pour les autres glitches, c'est très important. Il vous faut un bunker avec le centre d'opération mobile et le véhicule à dupliquer à l'intérieur. Donc soit vous dupliquez une Deluxo une fois pour vendre l'original, soit des véhicules de chez Bénis qui eux se revendent très cher. Ensuite il vous faudra une Elegy RH8 dans la boîte de nuit, donc l'entrée de boîte de nuit, pas des garages, juste l'entrée. Et il vous faut aussi de la manipulation sur les glitches. Donc dans un premier temps, il va falloir se rendre à la télé et vous allez sortir votre téléphone, lancer le braquage. Sachez que la télé doit se mettre sur les joueurs à regarder et une fois que vous avez appuyé sur lancer le braquage directement, vous allez attendre que la radio change. Donc quand vous avez allumé la radio, vous mettez le son à fond et dès que la radio change, vous allez tout simplement attendre 2 secondes et faire flèche de droite. Normalement, ça va vous envoyer dans les airs et ça va vous mettre sur le joueur à regarder. Donc mettez bien votre télé sur les joueurs à regarder et non pas sur un dessin animé. Une fois que vous êtes sur le joueur à regarder, vous aurez juste tout simplement à attendre une quinzaine de secondes. Donc comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez compris. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu les amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ok, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, on est bientôt aux 4000 abonnés. Donc là, une fois que j'ai fait rond, il faut bien s'assurer que vous n'ayez plus la minimap en bas à gauche. Si vous n'avez plus la minimap, vous sortez à pied de votre garage. Sachez que pour le moment vous pouvez appeler des véhicules personnels mais c'est moins conseillé. Prenez un véhicule PNJ et rendez-vous à une activité, n'importe laquelle, une activité, affrontement, mission qui se trouve à côté de vous. Donc pour ça vous faites pavé tactile, vous faites afficher si vous n'avez pas déjà affiché, ou sinon vous rendez au même endroit que moi, vous faites juste flèche de droite. Donc il va falloir attendre environ 3 minutes après parce que vous n'aurez plus accès au véhicule. Donc moi vous avez vu mon téléphone il était sur clos et là dès que je peux remonter dans les véhicules, toutes les missions sont ouvertes. Une fois cela fait, vous allez devoir tout simplement vous rendre au bunker, là où se trouve le véhicule à dupliquer dans le centre d'opération mobile avec le dépôt de véhicules personnels. Ok? Une fois que je me rends dans mon bunker, du coup, je rentre dans le centre d'opération mobile et je sors le véhicule. Vous pourrez regarder la plaque d'immatriculation, elle va changer au cours de la manipulation, donc je vous mettrai un ralenti. Voilà. Donc, il vous faut quand même pas mal de choses, mais ce glitch est quand même rentable. Donc pour ceux qui n'ont pas délégué RH8 et tout, dupliquez le véhicule que vous avez le plus cher, revendez-le. Mais la duplication, par exemple, c'est pas un véhicule chez Beniz, va pas se revendre cher. Du coup, vendez juste l'original et gagnez masse d'argent et gardez des duplications pour vous. Ok? Comme ça, après, vous pouvez acheter par exemple le bunker, enfin, si vous avez déjà un bunker, vous achetez le complet, etc., etc. Et après, vous pourrez faire quand même pas mal d'autres glitches, parce qu'il y en a toujours. Donc pour ceux qui aiment bien les glitches, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui aiment bien le fun Fortnite et tout, même les fun GTA, Black Ops et tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a tout qui arrive, de toute façon vous savez très bien comment je suis, j'aime le fun, j'aime le gaming, donc voilà. Donc une fois que vous êtes sorti du véhicule, il va falloir boire ces Peace Weather que vous venez d'acheter juste avant dans le magasin, il va falloir les boire très très vite, donc vous restez appuyé sur X ou A pour ceux qui sont sur Xbox One, vous allez tout simplement rester appuyé dessus jusqu'à temps qu'il boit tout complètement, normalement il en faut 8, une fois que vous êtes à 8, vous allez tout simplement respawn dehors. À partir de ce moment-là, plus de véhicule personnel. Il va falloir tout simplement faire pavé tactile et prendre un véhicule du PDG. Donc, soit le Buzard pour se rendre plus vite, soit un véhicule de PNJ. Mais le mieux, c'est vraiment le Buzard. Comme ça, vous pourrez vous déplacer ultra rapidement. Ok? Donc, comme je vous dis, le Buzard, c'est vraiment la meilleure solution pour se déplacer. Mais vous pouvez quand même, si vous avez un temps à attendre, vous pouvez prendre un véhicule. Si vous êtes vraiment à côté, prendre un véhicule comme le véhicule de police qui se trouve à côté de moi ou un véhicule de PNJ, ça marche aussi. Une fois que vous avez pris le Buzard, il va falloir se rendre encore au magasin, acheter des Peace Weather, c'est très important, donc flèche de droite et vous allez acheter des Peace Weather, donc il va falloir se remplir. Donc il faut environ 100$ pour avoir tout le temps les Peace Weather. Voilà, c'est pas très très cher. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous rendre à votre boîte de nuit et vous allez faire entrer dans la boîte de nuit. Donc juste l'entrée de boîte de nuit et non pas de garage, ok? Dans la boîte de nuit, il vous faut une Elegy RH8 qui elle va être remplacée par la duplication.
Donc, moi, vous allez voir, quand je vais appuyer sur R2, le véhicule va complètement disparaître. Si ça disparaît, c'est-à-dire que le glitch est fonctionnel. Normalement, vous n'avez toujours pas la mini-carte en bas à gauche et vous ne pourrez pas faire pause, ok? Donc, à partir de ce moment-là, vous allez refaire pavé tactile et vous allez boire tous vos Peace Weather jusqu'à temps que votre personnage retombe dans le coma et qu'il respawn dehors. Donc, une fois qu'il boit tout rapidement, vous restez bien appuyé sur X ou sur A, vous allez devoir tout simplement attendre qu'il tombe dans le coma et du coup, vous devrez vous rendre au bunker, prendre le véhicule que vous avez dupliqué, que vous avez laissé dans le bunker, vous aurez juste à accélérer et vous verrez que la plaque va changer. Donc comme je vous ai dit, je vais mettre un ralenti dessus. C'est très très simple ce glitch, mais il faut quand même pas mal de choses, le bunker, le fou, c'est un peu dommage, mais ça vaut quand même le coup pour gagner des millions et des millions, ok? Donc là, vous allez voir, je vais monter dans le véhicule, donc moi c'est une Comet rétro, mais sachez que vous pouvez prendre n'importe quel véhicule, ça marche, ok? Donc regardez bien la plaque, elle a bien changé. Si la plaque a bien changé et que votre centre d'opération est plein, vous venez de faire une duplication. Donc merci à tous ceux qui me rejoignent, merci à tous ceux qui likent, qui partagent, ça fera extrêmement plaisir si tu partages cette vidéo ou que tu likes. Moi je te dis à plus pour de prochaines vidéos fun sur Fortnite ou sur GTA ou bien une vidéo glitch sur GTA. Dis-moi si, si t'as pas plu, je viendrai t'aider en commentaire si t'as des petits problèmes. Allez, ciao, bye bye tout le monde et merci d'avoir regardé la chaîne de Zaiko. Partage un maximum, je compte sur toi et le like, ok? Surtout le petit like, si t'aimes bien, si t'aimes pas, tu dislike, ok? Et si t'as des problèmes, dans les commentaires, si t'as des idées, dans les commentaires. Allez, ciao, bye bye tout le monde, il y a tout qui s'affiche, le petit rond, le petit carré, allez, bye bye les amis, ciao!